Audio Jungle. Chers amis sportifs, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très ravi de savoir que vous êtes très nombreux pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission Zoom Sport présentée par votre humble serviteur Hakim Kakimosiko qui reçoit pour vous aujourd'hui l'un des attaquants du dernier club moteur en PMB de Kinshasa. Lui, c'est Vini Bongonga qui a évolué pendant 3 saisons du côté de Tupamaros de la capitale de Kinshasa. Bonjour Vini. Bonjour. Bonne santé. Ah, santé, ça va. N'AEP, j'espère, santé. Ça va. Ah oui, ça va. Tous les jours, Lolo, dans le cadre de l'émission d'Abisso Zoom Sport. D'abord, merci d'abord d'accepter l'invitation d'Abisso. Ceux qui ont quand même, tous les gens qui ont été en train de Vini Bongonga, attaquant qui a évolué 3 saisons à la DCMP. Mais ceux qui ont été en train de faire Vini ou Bandi, carrière en train d'abord, ils ont été en train de carrière en train. Merci d'abord à Zoom Sport Nengi et penser qu'on invite à l'émission. Vini Bongonga, na botami na Kinshasa, na botami na Kin, et après, na bani ko beta balé loko la mo la nyonso. Botami na commune. Na botami na commune ya Kinshasa, na vini Kapanga 88 bis. Na bani ko beta balé loko mo la nyonso tout na vini et après. Naï Kokende Kobeta na Jacques Héritage et pas président Tchamala na Njili l'équipe Ezaki na Masina siège na Monsieur Ezaki na Njili et après wana naï Kobeta na JSK na Pifti mi-saison et puis l'autre mi-saison naï Kobeta na AC Rangers Arc-en-ciel, Léopard Adolizi, et puis le dernier club monté ma famille. Au bout de temps, il y a Kapanga. Mais comment tu faisais pour quitter la commune de Kinshasa pour aller couper ta balle jusqu'à le niveau Yacham? Bon, et ça, à Mimoro, je me suis dit, pour que je puisse couper ta niveau plus, que je puisse faire ça en avenir. À Mimoro, je propose à une équipe de Bango, ceux qui sont en condiment. Na banda kobeta na eko kende na sali test na ngai gloire test simba ki puis na yo banda kobeta. Alors comment tu combines Vini Bongonga parce que vous êtes parmi les rares joueurs quand même photo autour le bango na banda kobeta la biso au bas opportunité au les kana bande de l'école. Comment tu faisais pour accompagner le football ainsi que ba étude na yo? Les entraînements ils aki trop les avant-midi. Et puis, il y a eu après-midi dans la classe. Nous avons aussi entraînement. Entraînement, 10h45 au plus tard, 11h juste. Donc, il y a permettre à la zone là après, il y a des sous-classes. Et tes parents, est-ce que vous êtes d'accord que vous combinez le football ainsi que la classe? Au départ, il y a eu un peu difficile. Mais mes parents, réussi ça qui faut faire comprendre là d'abord l'école et puis Ramboana nous on y a dans mon ciment. C'est vrai que Mazaki qui ont envisagé ambition belle par rapport à Bétide Nanga, si pas être médecin, dans la juriste. Mais hélas, Nazaku Kanisa, on est à l'élo. Mais je rentre toujours grâce à Dieu, au moins. Dans ça là où ils ont plan B dans la vie. Ceux qui ont réussi ça qui n'a pas marre à moi au moins dans la footballeur professionnel ils ont que football professionnel dans la vie. Dans la vie. Et quand tu partais encore à l'école aux obétabalé j'ai escorté à ces moments aussi au moment où tu as payé interscolaire est-ce que il permettait que pour ça quand même Barbie non. Na niveau il y a classé à mon école buissonnière pour aller jouer au football. Bien sûr. Je me rappelle quand on a passé la première secondaire et na le bango trop en souriant que ceux qui classent ils allaient
200 jours. Je crois qu'il y a la côte à tabac. 70 gars, pardon. Il reste des temps là, là tu faisais l'école buissonnière pour aller jouer au football. C'est quand Vini Bongonga a décidé de dire que c'est le football maintenant comme profession, c'est maintenant ma carrière, c'est là maintenant que ma famille doit vivre, ma famille restreinte, ta famille élargie. C'était quand tu as décidé que c'est le football maintenant que tu as commis vraiment comme profession? C'est juste après mon diplôme d'État. J'avais vite compris que parfois, auto linga yango tende komaka. Tu veux dire bah ma famille habitue les autres là. Peut-être les moyens appropriés ils allaient qui vraiment t'es pour dans le commissariat à bas niveau ou dans d'ailleurs quand ils ramènent tout là. C'est en ce moment là que nous avons une décision que na sala où ils aient qui plan B dans là dans tout. À ce moment là quand on décide qui on s'est retrouvé déjà une équipe, déjà on a évolué. On a déjà dans la famille Jacques. Donc la famille Jacques, tu as Jacques Trésor, Jacques Héritage, Jacques Changa et puis Jacques Star. On a déjà Kuna. Donc on a déjà eux qui Kobeta Balé, eux qui na Moutou, aux rêver ou avancer déjà. Donc on a déjà la bannière des jeux. Pourquoi avoir décidé de quitter l'Académie Club Orange pour aller évoluer du côté de l'arc-en-ciel? Bon, j'ai qui décision moko facilité. J'ai qui facilité pour na terme la saison là. J'avais des contacts avec les 16 factions et à Tunisie. J'avais des contacts avec eux et puis je ne pensais pas qu'au bêta na arc-en-ciel. Et puis ma kambuka ndé zalaka. Il est arrivé que naïe ko atterrir na arc-en-ciel, mais na regretter na passage na kunate na apprendre belé les propriétaires azo ibiso vraiment le quoi. Banga ki tant ko ke ke non l'équipe appartient à monsieur André. Non, même pas. Même pas. Papa André a sali trop pour la biso. Et si le lot a aussi la trop aza papa. C'est vrai que c'est pas biologique, mais aza papa pour l'anga. Donc je serai reconnaissant envers lui pour toute ma vie. Et donc, non, au tika la kobo sana baboulam oyo. La première saison au sein de la professeur de football de Kinshasa avec l'arc-en-ciel, vous vous retrouvez avec le football club de Renaissance du Congo. Vous avez eu l'opportunité de préparation en Tunisie, vous réussir comme ma première devant cette équipe quand même qui a régorgé presque les supporters Mingi et avec la professeur de Kinshasa. Tant que vous avez eu sacré championnat en tête. Bon, Ezaki, vraiment satisfaction là, nous pour la biso vis-à-vis à concurrence aux Ezaki wana. Ezaki concurrence mon facilité. Ezaki facilité. Biso to Ezaki tant na biso ya ko s'est préparé bien pour toi atteindre aux Ezaki objectif fixé. Donc et c'est nous allons grave, vraiment attendre. Vie au FC Renaissance à Mima qui n'a football na biso et puis na la province à Kinshasa en particulier en gourmand Oyo. Je sais pas Isaac qui peut-être n'attend Oyo vite en aïman et là on est pifkin et puis année na biso tous qui chance à couper tana FC Renaissance Nzela Moko. Et puis en gourmand les gens qui et puis bah tout bâtir qui sont mis sous la Oiza en tant que professeur de football de Kinshasa donc tout ça là vraiment un signe et puis ils ont un souvenir moi et au beau santé. Et là vous avez quitté pour aller du côté du Congo Brazzaville et pas pour que n'ayez qu'on évolue dans le paradoxe là-bas. Vous avez fait combien de saisons? J'ai fait une année et demie
Les premiers 6 mois, je n'avais pas joué. Et puis, à quoi c'était Nakenda qui pour renforcer l'équipe et comment qui na phase des poules, il y a coupe, il y a confédération. Et puis, la phase des poules, on a qui sera un joueur, ceux qui nombre au café 5 à Kikoka qui était. Nakenda qui na renforcé l'équipe et puis, non, problème administratif. Il y a une bête puis l'autre saison. Il y a une bête à la saison, on a vraiment allé par la demande. Adaptation à la Congo Brassé, ça qui est dans le paradolésie parce que on est déjà un autre pays, il y a un peu difficile pour que les joueurs puissent s'adapter à la conjoncture, à la province Mongoboye. Ça s'est passé comment avec vous? Ouais, c'était pas facile au début et puis le paradolésie. En CETA, c'était une équipe sérieuse. Ça régorgeait des internationaux congolais et puis d'autres pays. L'exigence, c'est trop. Et puis, j'avais la chance, il y a beaucoup de temps, déjà, comme Tichik Tela et puis Trésor Mukenga Kouloué, Loulé Loutounou aussi. Batunayaki kokuta et puis bango ba meka ki ko orienté nga ko ipsanga ndenge nini makambu itambola ka côté kuna et puis na réussi ça ki koyoka o bango ba lobaki et puis na tché en pratique na boulot et puis yango ne permettait nga kozala et puis kobeta saison pleine. Là-bas vous avez gagné quoi comme titre? Là-bas j'ai été champion, il y a championnat où ils ont la Ligue 1 à Bissau, et puis il y a la Coupe du Congo. Et puis j'ai joué la Ligue des Champions avec eux. Bon, quand on s'est retrouvé dans la DSMP, avant de partir pour Léopard à Dolizy, j'avais des petits contacts avec Edirin Club Moté Mapembe. Mais ça ne s'était pas fait, mais il y a eu le Léopard à Dolizy. Moi, Marambouane et Tikalaki. Et puis, ce qui m'avait motivé, c'est que tant que l'actuel entraîneur, Oaza Otis Ngoma, a joué avec l'équipe, il m'avait écrit que Vini, j'ai une équipe au Congo, s'il y a moyen, tu peux m'aider. Et puis, via ma Kamboulika, il y a moi dans le Léopard, en Opé à Dolizy, dans ce qui n'a pas ça, il y a Kouzoumi, là, Bouana, Yakoubé. Il y a des facilités dans lesquelles il y a des moments difficiles dans le Léopard à Dolizy. Il y a des personnes qui ont été en train de se faire dans la salle. Et après, il y a une décision. Il y a pour regagner Mbokananga et puis Kobetana. C'est Otis qui vous a écrit un message. Il a besoin de vous parce qu'il a joué l'équipe dans la ville de Kinshasa des CNP. Où il y a au serviriez. Pensez-vous que vraiment Vini Bongonga, on a une confiance et pas un entraîneur autiste? Là, je dirais oui. Peut-être que les Komaka, ils ont bango basenga te. Yangwana, tout le monde a rempli ba marambo, tout le monde a raoui. Peut-être azan li kamune mo bwe, azako senga et puis ngana za ki kokoma na place wana te. Ndé tout le monde a aime sur réalité et puis ba makambo et les kaka. Mais Kolobake, Nazan a confiance dans la oui. Parce que à son jet directement, Koyib Sanga que Tala boué, Nazan a club, s'il y a moyen, Yaka, tout ça la route ensemble. Une série de 5 matchs comme titulaire. Souvent, Osaka beaucoup plus utilisé comme un joker dans cas il y a tactique, il y a entraîneur. En vous, en soi, ça vous dit absolument rien? Ouais, ça ne peut que dire quelque chose. Pour Bissot, joueur professionnel, vous en avez ça tout le temps dans le terrain. Il y a un moment qui peut-être un peu bon. Parfois, au coco, ma mère,
Déjà, je calcule sous avec Namoto. Mais avec quel mental, Vini, vous avez réussi à faire 3 saisons au sein des DCNP? Il y a des joueurs, il y a des avant-centres qui arrivent. Vini est là. Bah, il va pas titulaire. Vini reste comme joueur toujours. Bah, vous êtes un bon joueur. Vini reste. Et il accepte d'être le joueur toujours au sein du DCMP. C'est quelle morale, c'est quel mental que Obané qu'on mettre en place pour réussir à faire les 3 saisons au sein du DCMP. C'est vrai, c'est qui facilité. C'est qui facilité. Parfois tu te dis que j'ai pas ma place ici. Dans un moto. Et puis ma cancer à moi trop. Mais à un moment difficile, loin. Dans ce qui est bateau, toujours pémé nanga. Bon, dans ce qui est conseil. Et puis, en soi, dans ce qui est le cas, c'est que naïbi, naïbi et l'eau, na salaka, na continuer toujours d'effort. Et puis, en espérant que donner et changer. Donner et changer la première saison, on vous a présenté. Peut-être, l'invité sur votre portail, la bise sur votre portail, il y a eu mon anéga dans aucun des Vinia avait accepté de rester au sein du DCNP parce qu'il y avait quand même l'organisation. Les salaires étaient là, la prime était régulière. Est-ce que c'est aussi l'une des motivations? Oui, c'est là que Vinia a accepté de rester joker, mais de bénéficier quand même de ses rémunérations. C'est pas vraiment ça. Et ça, vraiment, il y a un côté pour Nazaki toujours commis le bilané l'eau au na kati na ce qui Naza awa ils a pour na yebi mais koye banangai oyo ngamo na zo micha ke na yebi ils a vraiment suffisant et ils ont tenir te pour Nazala na place où Naza te donc on a changé place na comment parmi ma tête d'affiche à équipe. C'était juste ça. Qu'est-ce qui manquait pour que Vini Bongonga qu'est-ce qui manquait à Vini d'être parmi les têtes d'affiche de l'équipe? Qui était que derby et pour tout le monde à ce moment il s'est marqué pas trop mais à l'époque on le voyait que sur le match il y avait Taïmana bien des saint Renaissance pas ça moi bah Calico moi Anini on bah affiche bah joueur mais qu'est-ce qui manquait aussi que Vini Bongonga puisse se retrouver parmi les têtes d'affiche au sein de son équipe? Et le Gozagozanga, qu'on s'est retrouvé parmi ma tête d'affiche, c'est peut-être. Prière Zaki Mouké? Ah, même pas que ma prière Zaki Mouké. Espère discernement, Zaki Mouké, Vini aussi a des négligences sur le plan technico-tactique. C'est peut-être quand dernièrement avant 4 ou 6 ça coach Azago il s'en a que peut-être on a nonchalant donc au lingaka commis ça la thé ou quoi mais na dering il y avait une hiérarchie à respecter les gens normal tout le monde on a un grand club Nyonso. Donc, dans un grand club, ils allient, quand il y a un leader, il se soumettre pour aider à avancer. Oui. Et dans des rings, tout ça, na, ils ont joué dans Bissot. Ils ont joué dans Bissot. Donc, on ne peut que les protéger. Votre capitaine Eric Doulengue. Mais non, Vini, moi je ne peux pas mettre toujours ça. Il y a c'est bel et bien lui, Eric Doulengue. Mais il y avait aussi Jean-Marc Makous à votre époque, ou à Outi, du côté de l'AS Vec Club, qui est venu aussi vous seconder. Mais il a réussi à terminer parmi les buteurs. Il y avait aussi Kazadi Kazengo, qui était là aussi du côté de Club Monté, mais quand même qui ont réussi quand même à s'imposer, Vini Bongonga. Qu'est-ce qui manquait réellement pour que M. Moutoumouana, à Otonangongo, en Australie, à Luba, à Edo peut-être? Ce qui spirituellement, ce qui nini, ce qui technico, tactique, bien encadrement psychologique, pour que les sessions qui arrivent
quand même on sent, parce que moi je le dis, Matobota la biso vini, vous regorgez plusieurs talents, ou peut-être ma force était belle basé en côté. Vous êtes un dribbleur, un passeur ainsi qu'un buteur. Donc c'est ça ma spécialité où beaucoup d'entraîneurs le caca. Mais vous en avez. Qu'est-ce qui manque réellement à Vini? Peut-être quand dans le bébé, où tu as eu nos chances. On peut croire la quatrième saison peut-être. Bon, l'avenir est Izanzambi. Si quatrième saison il y en a, ça sera pas comme les trois saisons passées. Faites partie de l'effectif, il y a des CNP, trois saisons, trois Coupes d'Afrique, mais vous n'arrivez pas à atteindre le haut sommet. Qu'est-ce qui manquait à l'effectif pour que beaucoup qu'on rivalise avec le tout-puissant Mazembe et ASV Club Otolobaki, Père Wana, ça fait quand même des années déjà, Bakani déjà, les Nafotswana. Bon, qu'on rivalise dans. Des autres grands clubs, il y a peut-être ces championnats. Parce que déjà, c'est dans le terrain pour ça, la rango déjà. Non. Peut-être qu'il y a championnat. Ils ont qu'à courir voir l'objectif, c'est à la hausse. Et puis, être présent dans le match où ils ont clé. Le match est clé, il y a une confrontation directe entre Bissou et la banque. Pour répondre présent, c'est-à-dire sur les 6 points possibles, au moins prendre 4 points. Et là, tu as une position de force pour déterminer la fin de Bissou. Il y a un peu de que staff technique, Bissou va joueur, staff dirigeante, Talana, les yeux dans les yeux, tout s'est fixé là au moment où Moutouna Moutazo ça la part naïe. Et puis après, résultat malamouza. Là vraiment, je suis sûr et certain. Vous êtes toujours sous contrat avec DCNP ou bien que contrat des combinations? Naza sous contrat avec DCNPT, contrat avec les combats qui à terme la fin de la saison ou tout aussi ça. Maintenant, on est libre. Vous êtes libre, l'équipe, nous sommes contactés, vous pouvez aller les rendre service en respectant quand même la condition de travail. Non? Ouais. Alors, comme il y a Souka, il y a la saison à DCNP, mais tout ce monde, avant que tout le monde l'émission, qu'est-ce que vous avez bénéficié du côté du staff technique au sein de DCNP? Au TIC, c'était là, il y a les coachs. Adriano et Aoutaki en Italie, il y avait le coach François Mogegei, il y a le coach le papa là, le nom qui m'échappe un peu, et Kigoma, le coach Kigoma, dans le collège Union Soana, qu'est-ce que Vini Bongonga a pu retenir? Dans le collège, il y a un entraîneur Union Soana, ce que j'ai pu retenir, c'est que Koulouka. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu nonchalance. On va répéter la même fois. Que je crois que les canons sont faciles, alors que c'est pas ça. Donc, ceux qui ont aligné, Nazala, les Lopé, parmi Oyo, les Tobanda, la tête d'affiche, Yango, font la longue nonchalance. Là, c'est battre à fond. Je suis un coach qui a été à l'Obara Tiwer. Et puis, je crois que y a ma lame qui a été à l'Obara Tiwer. Si tu as un bureau, tu as tout ça. Mais si tu as un peu de 4 personnes, tu as un téléphone, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Bon, j'ai des masters là. Mais c'est juste que je suis en occupation. Mais parfois, je suis en train de faire ça. Je ne les gagne en Vini à part entraînement trop parler. Pourquoi vous ne vous battez pas pour vous battez pas encore. C'est moi, une femme.
après l'entraînement directement à la maison. Ouais ouais, après l'entraînement fallait Kobima vraiment ils a vraiment cop nangati mais mon pizza moi ko tambola moi ya lokuta mais nazara vraiment trop pas. Vous avez tenté de draguer une femme, une fille? Bon. Il y a moulaï de pendate. Il y a une semaine, il y a deux semaines. Parfois. Ou alors, il y a la nuit porte conseil. Mais est-ce que vous regrettez quelque chose déjà tout au long de votre parcours? Bon, qu'on regrette vraiment. Je ne sais pas. Dans la limite que moi regrette ça, c'est juste que. Nazo s'est contenté de Ouézanan. Et puis je crois que la suite est la meilleure. Ma bon souvenir Nathan déjà au passé dans le football. Bon souvenir Isa. La sélection dans l'équipe nationale. Isa déjà bon. C'était comment d'abord ta première sélection dans l'équipe nationale? La première sélection Isa quand a moins de 20 ans. J'étais déjà avec Otis Ngoma. Toujours avec Otis Ngoma. Isa qui a moins de 20 ans tu es quand a Malawi avec Presnel Kimpembe. Bétara na Malawi, un but partout kuna et puis toi quand vous avez éliminé Arna Tata Raphaël Topola 2-0 et après sélection il y a I23 et après sélection il y a Léopard Chan dernièrement. Voilà, déjà il y a une liste, il y a présélectionné pour la Cannes Égypte. Comment est-ce que vous trouvez la liste de Florent Ibenge? La liste, on a trouvé pas mal. Les coachs ont fait le choix de joueurs au Yubaza. Non, pour le bas. Bien. Na moment où tu zali, ma joueur au bazar bien na moment où tu zali. Et puis, bangonde ba kouye de biso ba offert rêver biso na compétition. Est-ce que le nom de Vini Bongonga manqué sur la liste et après sélectionné? Je ne crois pas que le nom de Vini Bongonga a manqué. C'est juste que na sali ou na koka ki pour ça la te pour na figurer na liste où il y a. Est-ce que vous pensez aussi que les Léopards peuvent aller trop loin dans le niveau de la compétition? Ouais, étant que Congolais, nous avons un rêve. Nous avons un moment où il y a un rêve, il y a quelqu'un qui rêve. L'équipe nationale aussi qui est musique avant. Dans trois saisons, au sein de la DCNP, ton meilleur but, il y a un peu de match. Je dirais, c'est vrai qu'il va te battre moins trop. Pour Nangaï. Et c'est un peu comme ça que contre FC Renaissance. C'est ça, de mon côté, c'était ça. C'est ce que moi je veux dire. Je veux dire, moment où tu as dit que 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 tu as dit et puis c'est vrai que c'était pas si joli ou comment, mais c'est juste Essengoana où n'a réussi ça qui et puis biso tout là master tu réussi ça qui copie sa ma supporter na biso nyons et pour moi il y a même meilleur. Avec qui vous partagez beaucoup plus intimité au sein effectif à des SMP? Bon voilà, attends quand il me souboue ba ou ba Bah, déjà, place à Zami Yebi, El Capo. C'est avec lui que tu partages. Vous avez bien arc-en-ciel avec ma Serbie. Avec Ricky, Toulenge.
Je ne partagerai pas trop. Là, tu te rappelles aussi qu'il y avait à un certain moment, il y avait des conflits dans la DSNP. Le capitaine Eric souhaitait beaucoup plus qu'on utilise Vini Bongonga qui est l'autre joueur. Et ça qui m'a confié avec les joueurs qui évoluent maintenant du côté des Primeurs de gauche, l'ami qui est le nom, c'est encore votre avance en toi, Kenda. Dago Chibam. Non, on est qui a mal entendu. C'est un malentendu, c'est vrai. C'est pas que voilà, nous sommes presque arrivés à la fin d'une émission d'Abisso. Au but de qu'il a bien monté un peu, vous êtes fin contrat. Mais vous pouvez vous occuper des choses qu'on renouvelle si l'opportunité se présente encore. Bien sûr. Tant que le Banaza ouvert, il y a un batoutou, un kanisa, un zwanga. Je tiens compte aussi de la place Nazali. Ce qui est kanisa ke. Naozala misusu utile après les trois saisons passées avec eux. Ça c'est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi je dis d'abord un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui, à la réalisation Harry Kongolo, le Birdman, Glory ainsi que Offred, Héritier Ntiala, ainsi qu'à la grande famille de Mercure TV. Donc retrouvez-nous encore une fois de plus le vendredi prochain à la même heure avec le même plaisir. Bye. Audio Jungle. Audio Jungle.